À Skip, la préfecture du Nord appelle à boycotter le commerce en ligne pendant le Black Friday. C'est une attaque à peine déguisée contre les géants du commerce en ligne. C'est-à-dire Amazon, Alibaba, Wish, etc., etc. En pleine période de Black Friday, la secrétaire d'État au commerce a donc appelé à consommer localement plutôt que sur Internet. Cet appel, étrangement, a été relayé par la préfecture du Nord à tous les médias. Ce qui, en matière de neutralité, pose quand même question. Ah oui, il y a clairement une préférence qui est faite pour certaines entreprises, et pas pour d'autres, au nom de l'État. D'autant plus que, et jusqu'à preuve du contraire, Amazon emploie des milliers de personnes dans les Hauts-de-France, notamment près de Douai et Amiens. Alors ok, l'entreprise est régulièrement critiquée pour ses pratiques fiscales, environnementales et sociales. On est d'accord. Mais bon, s'il y a bien une région où Amazon fait tourner l'économie, bah c'est quand même par chez nous, faut l'admettre. Parce que les salariés, ils paient des impôts, ils consomment, et peut-être même davantage localement que sur Internet, qui sait. Et je vous parle pas du fond, c'est-à-dire que l'État, par la voix du ministre et des préfets donc, s'attache plutôt à nous dire ce qu'on est censé faire et quelque part nous culpabiliser d'acheter sur Wish par exemple. En même temps, acheter sur Wish, j'ai pas encore compris trop l'intérêt. Plutôt que d'essayer de combler les failles qui permettent à ces plateformes étrangères de vendre en France en payant le moins d'impôts possible. Après, effectivement, il y a une prise de conscience collective à avoir. Mais bon, chacun son boulot. Et puis tant qu'à faire, plutôt que de dire aux gens d'éviter de consommer sur Internet pendant le Black Friday, bah autant boycotter toute l'année. Enfin, je dis ça. Je dis rien.